سافوار فيفر اتيكيت على فرانسيس سيمينار بكلية الأعمال بجامعة القديس يوسف من 25 ل 30 تشرين الثاني. عم نستفيد اليوم من وجود مدام أن دوبار بلبنان. أهلا وسهلا فيك مدام دوبار. بونجور. مدام دوبار رئيسة جمعية الاتيكيت على فرانسيس مكانها باريس ولكن أو فرنسا ولكنها موجودة بلبنان لهالسيمينار اللي رح يكون موجه للصغار وللكبار كمان، فرح يكون عندها كمان نهار خاص للاطفال بين 8 وال 12 سنه اللي كمان مهتمين بالاتيكيت. مدام دوبار، بوركو افيفو كريي سيت اسوسياسيون كي لي بون مانيير سون كيلك شوز دو تريز امبورتان بور فو، بوركو ديجا؟ Alors, pourquoi je l'ai créé? D'abord, c'est un rêve d'enfance. J'ai toujours voulu créer une école autour du savoir-vivre. C'est un domaine qui m'a toujours plu, pour des raisons personnelles, puisque j'ai eu la chance de grandir dans un milieu diplomatique où j'ai pu assister à beaucoup de réunions, des réceptions officielles. Donc, j'étais confrontée très jeune à l'étiquette et au savoir-vivre. Et pourquoi je l'ai créé? Tout simplement parce que depuis 20 ans, je reçois des clientèles étrangères du monde entier qui se posent toujours les mêmes questions. C'est comment faire, comment ne pas faire et comment faire au mieux. Donc je me suis dit, un jour, il va falloir que je conceptualise tout ce savoir autour de l'étiquette et du savoir-vivre pour pouvoir le transmettre à un public international. إذن مدام دوبار عاشت ببيت دبلوماسي، فدايما الاتيكيت عندها مكانه وكل الاشخاص ممكن انه يكونوا عم يسالوا، خاصه اذا كانوا موجودين بفرنسا، عن الاتيكيت، لانه مشهوره فرنسا بالاتيكيت وب يعني الاساليب اللي كثير مميزه بالتعاطي مع الاشخاص، مع الناس، حتى مع المناسبات يلي كل مناسبه والها كمان طريقتها و سافوار فيفر تبعها. سي كوا لو سافوار فيفر بور فو؟ Le savoir-vivre se compose de plusieurs choses au final. Le savoir-vivre, c'est le fait d'être poli et d'avoir de bonnes manières, mais aussi de connaître les codes de l'étiquette, c'est ça qui peut s'apprendre. Et au final aussi, ça englobe la notion de l'empathie, puisque pour savoir-vivre, il faut aussi avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre pour pouvoir respecter ses interlocuteurs et ses convives lorsqu'on parle de réception. فإذا عم نسأل شو السافوار فيفر بالنسبة لنا، ممكن السافوار فيفر يكون طريقة عيش، وهذا اللي عم بتجاوبه مدام دوبار. فإذا الطريقة يلي ممكن إنه نعيش فيها بطريقة تكون ما بتزعج الآخرين، بالعكس تكون بتحترم الآخرين، هيدا أهم شيء. مي إليا دي كود. Et vous dites vous-même que le savoir-vivre, c'est un code qui s'apprend. Qui s'apprend tout à fait. Mais est-ce que c'est un code universel? Alors, tout d'abord, le savoir-vivre peut s'apprendre, bien sûr. Ça s'apprend comme l'éducation, comme l'écriture, comme tout. Est-il universel? Oui, le savoir-vivre est universel. Ce qui est différent, c'est les codes d'étiquette qui diffèrent en fonction des cultures. Mais savoir-vivre, cette notion de respect et d'empathie, je crois qu'elle est universelle et il faut la préserver. Et il faut continuer à la... Il faut savoir-vivre pour être heureux? Faut-il savoir vivre pour être heureux? Je crois qu'il faut être heureux tout d'abord, tout simplement. Et être heureux peut permettre de savoir vivre. On va peut-être l'inverser, ça sera plus simple. Je trouve que savoir vivre, pour Mme Dobar, comme on dit, c'est une façon de vivre. Je trouve que le code que vous parlez de Mme Dobar est un code عالمي. السافوار فيفر موجود بكل الحضارات وكل حضاره بتشوفه بطريقه مختلفه، وضروري الانسان يكون اصلا مرتاح مع حاله وسعيد مع حاله لحتى يقدر يكون مرتاح وسعيد مع الاخرين ويعرف كيف بده يحترمهم او يتعلم هالكود يلي هو السافوار فيفر. مي فو دوني لو سافوار فيفر على فرانسيز الى ديستينغي ان كوا؟ Il faudrait remonter un petit peu dans l'histoire. Il est vrai que l'étiquette à la française a pris toute son ampleur au XVIIe, XVIIIe siècle, surtout à Versailles sous Louis XIV. Et tout ce savoir a été en quelque sorte exporté dans toute l'Europe et a été mené en parallèle avec l'évolution de l'art de la table. Donc il est vrai que toutes les cours européennes à l'époque avaient copié le modèle français et c'est resté de nos jours encore une référence en matière d'étiquette et de savoir-vivre. إذا اتيكيت على فرنسيز، لأنه بنعرف كثير منيح إنه وقت نقول اتيكيت إجمالا عالميا بنطلع دائما على الاتيكيت وسافوار فيفر الفرنسية، لأنه ب يعني عصور أو بالقرن السادس عشر والسابع عشر يعني كان في كثير أهمية كبيرة لهالموضوع. مي دو نوتر تان سي لا ميم شوز، سي لا ميم أمبلور بور لو سافوار فيفر الاتيكيت ميم أن فرانس. Les choses évoluent énormément. Tout va très vite puisque
Tout va tellement vite, les jeunes aujourd'hui n'ont plus forcément la possibilité de l'apprendre parce que les parents travaillent beaucoup, la maman travaille, le papa travaille. On va vers un monde d'individualisation de plus en plus marqué de par l'évolution de la société de communication. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'aujourd'hui on en a encore besoin au final? Oui, on en a besoin parce que le problème aujourd'hui, c'est que les personnes se sentent souvent mal à l'aise dans la société pour des choses très simples qui ne savent pas. Par exemple, je cite la simple problématique autour des salutations, des présentations, des placements à table lorsqu'on reçoit. Je le vois bien dans les questions que je reçois de la part de mes élèves ou des participants à mes séminaires. Ils sont des fois un petit peu déboussolés et mal à l'aise. Ils parlent d'un vrai malaise. Et donc, voilà, les réponses, on essaye de les leur apporter. Quand on apprend vraiment le code du savoir-vivre et de l'étiquette, on peut être plus confiant, on a un grand estime de soi? Plus confiant, en quelque sorte, oui, puisque c'est comme l'écriture. Quand on sait écrire, on est plus confiant. Quand on sait marcher, on est plus confiant. Tout est un apprentissage et tout permet, d'agrandir la confiance en soi. كما عم تقول مدام دبار يعني إذا كنا بنعرف فعلا كيف نتعامل مع ناس ونكون واثقين من أنه الأشياء اللي عم نتصرفها خلال نهارنا أو خلال أي مناسبة تكون صحيحة نوعا ما هالشي بيعطي ثقة بالنفس أكبر طبعا مثل كل شيء بنتعلمه ممكن أنه يكون عندنا ثقة بالنفس بينما إذا عم نتواجه مع أشياء ما بنعرفها ومش أكيد منها ومنجهلها فكمان رح يكون في ثقة بالنفس أقل savoir vivre c'est très important même pour les petits il y a les petits diplomates que vous donnez une grande importance à ces jeunes. Tout à fait. Nous avons beaucoup de parents qui s'adressent à nous pour l'éducation du savoir-vivre pour leurs enfants. La plupart des enfants ont entre 8 et 12 ans. Et j'ai envie de dire qu'il y a un grand succès auprès du public d'enfants parce que les enfants adorent être projetés dans ce monde d'adultes qu'ils s'accaparent au moment de l'apprentissage. On leur donne des rôles d'adultes puisqu'on leur apprend à se présenter, on leur apprend à saluer, à recevoir. Et ils se régalent. Voilà, suite à tout ça, j'ai écrit un ouvrage pour les enfants qui plaît beaucoup et je crois que les enfants, c'est le meilleur public pour l'apprentissage. Un livre de code Un livre qui s'appelle « Caroline et Carlo apprennent les bonnes manières » et qui décrit sous forme de scènes, différentes scènes de la vie. Avec des points à retenir pour les enfants. C'est Madame Dubar quand même mettait بالشباب الصغار والصبايا الصغار بين 8 و 12 سنه اللي بتقول انه كثير كمان هن مهتمين يمكن اهلهم بالاول بيكونوا مهتمين بس بعدين هن بيصيروا مهتمين بالسافوار فيفر وبالاتيكيت حتى انه عندها كتاب بالاسواق يلي بيقدر يعلم البون مانيير والاساليب يعني اليوميه الحلوه والاتيكيت والسافوار فيفر لهالاعمار ميم لار دو لا تابل ا شانجي مينتونان افيك tout le progrès qu'on a eu depuis le XVIIe siècle. Maintenant, même si on va apprendre l'art de la table, c'est différent. Alors, bien sûr, tout change, tout évolue. Il suffit de regarder la vaisselle de nos jours. Nous n'avons plus des armoiries sur nos couverts. Les couverts sont plus épurés, plus modernes. Tout le décor de la réception a changé. Mais au final, à table, on se retrouve toujours dans la même configuration. Il faut communiquer, il faut converser, il faut savoir comment s'adresser à ses convives, comment les recevoir, comment les placer pour ne pas les froisser. Moi, je me répète peut-être dans les points stéréotypés que je vous cite, mais ce sont toujours les mêmes. Au final, on recherche un bien-être pour contrer ce malaise de communication en société. عم نشوف انه من القرن السابع عشر لهلا اكيد تغيرت كثير اشياء حتى اذا نحكي على يعني القعده حول الطاوله او الارض لا تابل اللي معروفه في الاتيكيت الفرنسيه كمان كثير اشياء تغيرت مع كل تقدم بالفكر او حتى بالتكنولوجيا او يعني بكثير متطلبات بعصرنا بس بتقول مدام دوبار انه مع هيدا وكله بيبقى الاساس موجود وبيبقى انه كثير نتعامل مع الأشخاص اللي حولنا وقدي نقدر يعني نبين لهم عن احترام هو الأساس. Vous êtes au Liban jusqu'au 30 novembre? Je suis au Liban dans le cadre de l'organisation de mes séminaires par Château Marianne jusqu'au 30 novembre, c'est ça. C'est ça. Le 30 novembre, c'est le dernier jour. Le séminaire, c'est du 26 jusqu'au 30 à l'ESA. C'est ça. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, madame. Merci. مشاهدينا وقفي هلا ومرجع متابعة.